Vous savez, actuellement, on n'est pas encore à la trêve. On tend vers la trêve, il ne reste que 2 matchs avant la trêve. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation d'observer tout le monde de près. Ils sont arrivés, on a essayé de les observer. J'ai dit à leur manager de retourner. Le moment venu, dès qu'on aura besoin d'eux, on va essayer de les appeler. Ça va, celui qui sera important pour le groupe, on va l'appeler pour venir. Il t'a fait l'effectif. Quand vous parlez de l'attaquant qui vient d'arriver, bien sûr, c'est un bon joueur. Je l'ai observé de près, tout le monde l'apprécie. Maintenant, ce qu'il reste à faire, on va essayer de voir, discuter avec lui pour voir sa position, s'il ne joue pas dans un club, avant de venir ici, comment il faut faire les transactions, les transferts, tout ça là. Donc il faut vraiment du temps, c'est pourquoi nous avons vite commencé, juste le temps de pouvoir observer tout le monde de près pour ne pas tomber dans les anciennes erreurs. Maintenant, vous avez demandé entre-temps un gaucher, un meneur de jeu et puis un défenseur encore pour encore donner un nouveau souffle à l'effectif. Est-ce que le président vous a accordé tout ça là? Non, le président, il a élu. Si le président, vraiment, il n'a pas la volonté, bien, il n'est pas intéressé, je ne pense pas qu'il va pouvoir peut-être financer. Dès que les étrangers qui sont arrivés, bon, on a essayé de payer les frais de placement. S'il n'est pas motivé, il ne peut pas le faire. Donc aujourd'hui, il est motivé et que lui, autre, il attend vraiment qu'on trouve des bonnes personnes, parce que c'est pas un monsieur qui va aussi se peiner, malgré ses moyens, aller encore chercher des joueurs. Donc dès que nous avons le joueur, il suffit qu'on essaie de lui dire et puis c'est fini. Bon, tout ce qu'il a, il va essayer de finaliser tout. Vous venez d'un match nul et que le dimanche prochain, vous jouez contre Esaïe à Cotonou. Comment vous comptez aborder ce match? Vraiment, le match contre Esaïe, c'est un match à ne pas rater. Et puis, c'est un match vraiment de défi pour nous. Et nous comptons revenir au bercail, surtout ramener tous les supporters à la confiance du départ. Et puis, essayer vraiment de leur dire que nous escomptons vraiment dans les jours à venir faire de très bons résultats. Et on a constaté que depuis avant-hier, vous êtes en train de donner encore la chance à 2 jeunes qui, ma foi, vous a beaucoup impressionné lors de Énergie Panthère. Maintenant, ces jeunes, c'est Rafiou et puis un certain Dolakwe. Comment vous pensez utiliser désormais ces deux? Vous savez, dans le groupe, tout le monde est important. Et dès qu'on porte l'accent sur un joueur et puis ils essaient de faire de son mieux, ils essaient vraiment de respecter les consignes. Nous, ça ne peut qu'être notre fierté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans l'effectif et puis eux, ils m'ont vraiment impressionné par rapport à la prestation de la fois dernière. Et c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire, quand déjà on fait confiance à quelqu'un, une journée, 2 journées, 3 journées, et puis faire la différence, vraiment, nous, on ne peut que lui donner encore une énième chance. Donc aujourd'hui, on a beaucoup donné de chance à certains jeunes qui n'ont pas su, c'est-à-dire, exploiter cette chance-là, qui n'ont pas su vraiment mettre ça à leur profit. Ça n'engage que, bon, ce n'est pas encore trop tard, pourvu qu'ils se mettent au travail et puis, une fois le moment venu, vraiment de faire la différence et puis de nous prouver qu'ils ont la volonté, l'envie, la rage de pouvoir vraiment se faire ce football. Un mot à l'endroit des supporters. Non, l'endroit des supporters, vraiment un grand merci et puis je ne sais jamais de le dire. Pour tout effort, ceux qui ménagent à chaque fois, on ne peut que leur dire merci, un grand merci pour la passion qu'ils ont pour ce sport et pour cette matière. Vraiment, on les remercie et puis on ne peut qu'encore une fois leur dire vraiment de continuer, d'être en communion, ça de prière avec nous, vraiment de nous aider de loin ou de près pour pouvoir vraiment relever les défis. Puisque aujourd'hui, la tâche, elle est encombre tout le monde. Ce n'est pas seulement le rôle du staff technique, ce n'est pas seulement le rôle du staff dirigeant, mais bref, tout le monde et nous sommes censés vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Merci. Merci.